Bonjour, mon nom est Kitty Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur, interprète qui est branché sur le dancehall, reggae, musique caribéenne, Aldo Gizmo. Comment ça va? Très bien, bonjour. Ben bonjour, puis bienvenue dans mon espace urbain Montréal, mon espace créatif. Aldo, écoute, ça fait quelques années, j'écoute ta musique, puis à chaque fois, j'oublie les quatre saisons du Québec. Je me sens directement transportée dans une saison tropicale avec un mojito à la main. C'est Eva Olo, émotion. En cas songer tout ça qui cabe en moins sensation. Tellement. Songer il en moins, songer moun en moins. D'où viens-tu, Aldo? Alors, je viens de la Guadeloupe. C'est une des îles françaises situées non loin d'Haïti et non loin de la Jamaïque. Pourquoi t'as immigré ici au Québec? Alors, je suis d'abord venu pour les études. Et je me suis pris, on va dire, avec le public qui est tellement charmant et toutes les scènes qu'on a la possibilité d'exploiter ici. Ça fait longtemps que tu es au Québec? Alors maintenant, ça fait 6 ans. Donc, ça va plutôt vite. Je pensais seulement venir en petit étudiant. Maintenant, voilà, la vie se fait, on s'installe. Fait que là, tu m'expliques que tu es venu pour les études, mais en même temps, tu es artiste depuis la Guadeloupe. Depuis la Guadeloupe. Donc, depuis environ 12 ans maintenant. On va dire que j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Et ça a commencé d'abord, c'était vraiment des amusements, on faisait des petits freestyles, puis petit à petit, c'est devenu quelque chose de concret. Qu'est-ce qui te surprend le plus du Québec? Parce que je suis sûre, depuis la Guadeloupe, tu avais une idée un peu préconçue du Québec. C'est ça. Donc, je suis venu en tête. J'étais sûr que j'arrive en Amérique. Puis, moi, je vis dans un département français, donc j'avais l'habitude de tout ce qui est, on va dire, écriteau français, etc. Puis, quand je suis arrivé, que j'ai vu des panneaux stop écrit arrêt, j'avouerais que c'était quelque chose d'assez choquant. Fait que ça veut dire que la loi 101 a bien fonctionné. Oui. Qu'est-ce qui te surprend le plus des Québécois? Alors, des Québécois, je dirais, ce qui m'a charmé, c'est, on va dire qu'ici, on a l'impression qu'on est toujours bienvenu. On est bienvenu, on est bien reçu, on est bien intégré. Et je dirais que c'est ce qui m'a vraiment charmé ici au Québec. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui te surprend le plus de la nature humaine? Je dirais que, alors, rien ne me surprend, mais effectivement, on ne va pas rester sur les côtés les plus négatifs. Ce qui me déçoit le plus, en tout cas, c'est ce manque d'unité que je vois, en tout cas. Mm-hmm. Je dirais ça globalement. Puis toi, est-ce que tu penses qu'à travers ta musique, tu peux changer un peu les choses? Ben, j'espère bien. Je dirais, c'est un peu mon objectif. J'essaie de passer des messages conscients et essayer de marquer les esprits, essayer de voir si les gens reviennent un peu à eux-mêmes. C'est ça. Je suis sûre que ce que tu vis là en ce moment, tu l'as rêvé. Je dirais, plus qu'un rêve, là, mm-hmm. C'était un projet même. C'est quelque chose qui était sûr. Pour moi, c'est clair que j'ai quelque chose de concret à faire dans ma musique. Et je dirais que je suis en fait dans juste le cheminement de ce que je dois réussir à accomplir. Fait que là, tu es arrivé à une certaine étape de ce que tu as rêvé, tu as projeté. C'est ça. De quoi tu rêves là pour le futur? Ben alors, qu'est-ce que tu projettes? Mon objectif, je veux dire, à long terme, c'est d'arriver à, je dirais, j'ai une idée de structure en tête. C'est d'arriver à, on dira, à la finalité de cette structure. Je ne vais pas dévoiler toutes les facettes de la chose, mais c'est quelque chose d'artistique et qui permettra en tout cas aux jeunes d'avoir un certain essor et un développement par le bien de ce qu'ils aiment. Moi, je me dis tout le temps, il faut être inspiré pour être inspirant. Toi, qu'est-ce qui te garde inspiré pour être à ton tour inspirant, Aldo? Ben alors, beaucoup de choses m'inspirent dans la vie de tous les jours. Je dirais, c'est sûr que musicalement parlant, il y a eu des artistes. Il y a eu des figures politiques, il y a eu des personnalités, il y a eu beaucoup de monde. Mais pour rester sur l'actualité, je dirais ce qui m'inspire en ce moment, c'est de voir qu'en fait, tout est possible. Quand je regarde les élections simplement avec qui a été élu en Amérique, je suis sûr que tout est possible. Tout est possible dans quel sens? Est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Je suis optimiste et à la fois un peu pessimiste.
Mais je dirais que je reste simplement avec la foi et puis normalement, tout devrait bien se passer. Dans quel sens que tu es optimiste? J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, je suis optimiste puisque je me dis qu'effectivement, tout est possible. Donc, même mes rêves les plus fous sont capables d'être réalisés. Mm-hmm. Et donc, finalement, j'ai pas de limite. Du moment où tout est possible, ben, on a juste à donner le paquet et puis généralement, on y arrive. Et pour tout ça, j'arrive. Tout ça, j'aboie, tout ça, j'aboie, tout ça, j'attends. En petit ou carabine, la patente. C'est quoi tes rêves les plus fous? Alors, en ce moment, mon rêve le plus fou, clairement, ça serait déjà ma réalisation personnelle, musicalement parlant, qui soit achevée. Mm-hmm. Alors, quand je dis ça, pour moi, c'est d'avoir franchi l'étape, avoir un album qui est, je dirais pas peut-être disque d'or, mais un disque quelque chose. Qui a un album qui est remarqué. Qui a été reconnu concrètement, puis... En même temps que surtout les messages que je vais porter dedans puissent être compris. Ça serait... Avant même que l'album soit remarqué ou quoi que ce soit, si les messages sont déjà compris, à mon avis, c'est un objectif d'accompli. Fait qu'est-ce qui te distingue d'après toi? Alors, ce qui me distingue mm-hmm. par rapport à d'autres artistes... Ouais. Alors, je dirais, ce qui me distingue vraiment, c'est l'engagement que j'ai. Je pense, parce que c'est quand même le public qui pourra juger de ça, mais selon moi, c'est l'engagement que j'ai à toujours vouloir rester conscient et engagé par rapport à mes propos. C'est une chose qui devient de plus en plus difficile quand on veut s'insérer dans une industrie qui est surtout en plus reggae dancehall. Là, c'est pourquoi aussi j'essaye de ne pas me limiter à une catégorie musicale spécifique. Donc, je peux aussi toucher à beaucoup d'autres styles musicaux. Là, je suis en train de faire un gros mix-up, on va dire, entre les origines, tout ce qui est kémétique. Donc là, j'essaie de revenir vers l'Afrique par la musique. Mm-hmm. Donc j'essaie d'aller dans quelque chose de plus afrobeat dancehall. I like the way you move slowly to the dance floor. You blow my mind with your amazing flavor. Are you ready for party more and more? Est-ce que ça va ressembler à ça, ce que tu vas interpréter tantôt? Ça reste toujours dans la même mouvance, sauf que là, je vais être un peu plus acoustique. Alors, j'ai choisi d'interpréter le titre No Matter What. C'est un morceau qui m'a été inspiré par mon petit cousin, c'est un monsieur Swan, qui est venu avec un riff de guitare qui m'a tout de suite inspiré le son. C'est comme s'il était déjà écrit, j'ai juste dit les paroles, il fallait l'écrire par la suite, c'était fait. Et je pense que c'est un morceau qui va parler à pas mal de personnes. Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer à travers la chanson No Matter What? Alors, dans cette chanson, c'est une chanson que j'ai écrite pour la Caraïbe. Parce que selon moi, en fait, en ce moment, on est dans un tournant de notre histoire. On est toujours dans un développement constant. Mais là, pour moi, c'est un tournant de l'histoire où, sans se mettre complètement ensemble, sans se dire, OK, on est Trinidadien, Barbadien, whatever, tant qu'on n'a pas compris qu'on forme une seule Caraïbe, selon moi, on ne peut pas évoluer plus que là où on est. Et par la même occasion, c'est un message aussi pour leur dire que là, no matter what, ce qu'on entend, toutes les promesses et toutes les choses qu'on nous dit, et c'est le moment de rise par nos propres moyens. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un petit message là-dedans aussi pour ton nouveau peuple d'adoption? Oui, effectivement. Par la même occasion, je leur dis aussi, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qu'on entend, c'est à nous de faire les choses. Et ça, je pense que c'est un message pour tout le monde et tous les peuples. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas ciblé par ce message-là. Il faut le décider par nous-mêmes. Ouais. Je vais conclure cet échange avec un petit cadeau. En fait, j'ai un cadeau pour toi, Aldo. Oh, wow! Tu sais, je suis illustratrice et... l'issue de ces conversations-là, c'est que je puisse gâter des gens qui me gâtent beaucoup. Et tu me gâtes et tu gâtes aussi tout ton public à travers tes chansons. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un album, d'attendre d'avoir plusieurs années de carrière. Déjà, avec tes 6 ans ici au Québec, tu fais déjà ta marque et tu l'as décidée. Wow, alors merci. Voilà, moi, je me suis sentie inspirée par ce que tu fais. Puis j'ai eu envie de te gâter. Wow. Et puis de te faire un portrait puis te le remettre aujourd'hui. C'est incroyablement magnifique. Donc c'est pour toi, Aldo. Je te remercie beaucoup. Merci, merci, merci mille fois. Tiens. Ooh,
story là ça c'est vérité qu'a fait mal. Les villages ou qu'a kini pour nous. Ou qu'a senti ou bestial en plus ou qu'a traité ou qu'on animal. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Nous lèvons, nous qu'en gardons temps la passé. Dis-moi qu'a nous qu'a fait pour nous. Nous désorganiser, vicier, frustrer entre nous-mêmes. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Story là ça c'est vérité qu'a fait mal. Les villages ou qu'a kini pour nous. Ou qu'a senti ou bestial en plus ou qu'a agi qu'on animal. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Nous lèvons, nous qu'en gardons temps la passé. Dis-moi qu'a nous qu'a fait pour nous. Nous désorganiser, vicier, frustrer entre nous-mêmes. Pas jamais ça qui sauve nous. No matter what, no matter what. No matter what, no matter what, we don't believe what Emma said. No matter what, we don't believe what Emma talk about to say. No matter what, no matter what, no matter what, no matter what, we don't believe what Emma said. No matter what, we don't believe them. Nous déjà voyons vin, nous déjà ni assez, nous déjà vivons liés, allez nous agacer. On l'a atrocité. Ne peut pas effacer. En l'eau famille, l'esprit a yo tracassé. Mande yo man, qu'est-ce qui a passé? Mande yo man, qui a arrivé? A pas tout dit, mande bon, devine l'on menacé. Ni on laisse, sans aucun fait la paix qui est passé. Non, no matter what, no matter what. No matter what, no matter what. We don't believe what Emma said, no matter what. We don't believe what am I talk about, say. No matter what, no matter what. No matter what, no matter what. We don't believe what am I say, no matter what. We don't believe them. Story la sa, c'est vérité qu'a fait mal. Les villages ou qu'a kini pour nous. Ou qu'a senti ou bestial, en plus ou qu'a traité ou qu'on animal. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Nous lèvons, nous qu'en gardons temps la passé. Dis-moi qu'a nous qu'a fait pour nous. Nous désorganiser, vicier, frustrer entre nous-mêmes. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Sourire ça c'est vérité qu'a fait mal. Villa du qu'a kini pour nous. Qu'a senti ou bestial en plus ou qu'a agi qu'on animal. Pas jamais ça qui t'est faux nous. Nous lèvons, nous qu'en gardons temps la passé. Dis-moi qu'a nous qu'a fait pour nous. Désorganisé, vicié, frustré entre nous-mêmes. Ah, pas jamais ça qui t'est fou nous. Wow, wow. Pas jamais ça qui t'est fou nous. Pas jamais ça qui t'est fou nous. Pas jamais ça qui t'est fou nous. Merci.